really haven't changed one bit, have you? Wow. Tobias. Hey, Nick. The house. It's yours. Finally, after so long. Thanks, man. It's been years, decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family. My mom, my siblings, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. Heh, it's funny. Even after what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. Right. I guess I better use that memory for something useful. I don't have the full story. Nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Et sur ce, bienvenue sur The Joy of Creation Story Mode, un jeu créé par je ne sais plus qui, mais en tout cas est un fan game, un jeu créé par des fans de Five Nights at Freddy's, et c'est un des meilleurs fan games du monde, les mieux faits en tout cas, parce que il est totalement gratuit, donc vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description, j'ai mis le lien, et surtout c'est le meilleur jeu du monde, le meilleur jeu gratuit du monde. Donc, je vais pas faire genre de découvrir le jeu, hein. Je l'ai déjà joué moult fois. Deux fois, je crois, en tout. Mais je les ai joués sur mon vieil ordi, donc il y avait une performance nulle. Et du coup, c'est pas fifou. Mais maintenant, je peux enfin y jouer avec une résolution HD. Donc, sans plus tarder, on va faire la... Le premier chapitre, le bedroom. Alors, je vais sûrement mettre des sous-titres YouTube, donc parce que c'est en anglais, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le. Si vous êtes évidemment, si vous ne parlez pas anglais, si vous êtes exclusivement francophone, vous pouvez cliquer sur les sous-titres en bas, ou si vous êtes sur mobile, en haut ici. Et sans plus tarder, on va faire le premier chapitre, la chambre. What are you doing in our house? Dad, is the stranger okay? Yes, he's okay. Don't worry, he just seems confused. Excuse me, sir, can you tell me your name? Look, man, if you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man suddenly appeared in our house. They saw him come up with me, but I don't know. Michael! What? My name, it's Michael. I'm Michael. You asked me that before. Dad, and Michael kind of sounds like you. Excuse me, just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. Yeah, I was just saying that. You look a little bit roughed up. What happened to you? I don't know. I can't remember.
I'm sorry, but I just... I just don't know. Michael should get up. The floor is bad. Daddy, can we help Michael? Nighttime is coming, and it would be bad to leave him outside. I guess. Can you stand? I think so. A bit. I just feel a bit... dizzy. Yes, dizzy. Come on, man. Let me help you up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night, or at least while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person, or at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Not that I was implying he was. I'd never talk to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed, and I saw them. Voilà, voilà. Donc, si vous avez activé les sous-titres, vous aurez compris que Michael s'est réveillé en pleine nuit dans la maison de Scott Cawthon, le créateur de Five Nights at Freddy's. Donc, on continue. Hello, 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 Nick. Hey, little Nicky, it's me, Michael. Deux secondes, s'il vous plaît. Y a pas d'option? Non, y a pas d'option. Ok. Hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me and we can defeat those monsters, alright? Okay, so these monsters might look, surreal. Don't look at them too long or you'll feel weird and see creepy things. When you do, turn on your desk lamp next to your bed. You'll feel safe there. The more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel. Alright? Alright. Okay, first things first. Freddy, the fuzzy brown bear. He's at the window, Nick. He'll peek inside. Close your curtains and keep them closed until you hear him leave, or else he'll get inside. Then there's Bonnie, the ill-tempered big purple bunny. Keep an eye on your door. He'll be there. He's not shy at all. He will knock on the door to let you know he's there. Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nicky. He can't see you well in the dark, and he'll leave. But make sure you're sitting down when you do that, all right? Okay, then there's the chicken. That one's a little bit weird. Check the closets often. If she's peeking through, make sure to disable the lights. She doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you. Now look, I know this is a lot to take in, little Nicky, okay? Just listen carefully and try to remember it all, please, okay? Alright, last is Foxy. He'll be right beneath your bed, Nick. You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Be watchful if you see his hook on the back of your bed, because soon enough, he'll be right there next to the bed. Don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep, all right? Just pretend to sleep. Yeah, just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Foxy sees eyes as if they're big, bright spotlights, okay? So if you pretend to sleep, he won't know you're there anymore. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, so to recap, Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards, disable the lights and sit down until he leaves. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. And Foxy will appear under your crib and move upwards, so when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. All right, you got all that? All right, good. Listen, I have to go, little buddy. Okay, just hang in there. They'll leave at 6 a.m., I'm sure of it. You can do this. Ok, eh bien c'est parti. Je vous conseille d'activer les sous-titres, hein, parce que sinon vous n'aurez rien compris. Et c'est parti. Hein. Freddy, il est là.
Bonnie, elle est là. Chica, elle est là. On connaît les strats. Faut juste attendre jusqu'à 6h du mat. C'est facile, hein? Ouais, c'est... Ouais, non. Ok, il a arrêté de pleuvoir. Alors, je vais augmenter le son parce que ce jeu est très... basé sur le son, en fait. Ok, ça c'était Bonnie. Bonnie, il peut frapper la porte deux fois, mais ça te fait rien. Seulement quand il ouvre la porte qu'il faut se cacher. Oula. Ah bah là, il y a la main de Freddy. Enfin, c'est la main. C'est la main ou... je sais pas. Oula. Par, s'il te plaît. Ok, il s'est barré. Il y a aussi un niveau... Il y a un truc qu'il dit pas, c'est... Il y a un niveau de santé mentale. C'est-à-dire que si vous gardez la lampe éteinte pendant trop longtemps, vous commencez à devenir fou. Et au bout d'un moment, vous mourrez. Alors comme pour la plupart de mes let's play, ce sera assez silencieux parce que bah, je trouve rarement quelque chose à dire. Oula. Bah, je trouve rarement quelque chose à dire donc... Sentez-vous libre de skipper ces moments vides. Et je dois aussi... je dois pas trop parler non plus parce que sinon j'entendrai pas les indices sonores. Ouais, comme d'hab. Ah lol. Quoi? Putain. Ok, Chica, elle est partie. Ok. C'est bon, tout va bien. Ok, premier coup de flip. Oula. Non. Ah, chais. Oh, putain. Vite, dors. Ok, vite, la lumière. Comme vous voyez, l'écran commence un peu à grésiller légèrement. Et c'est tout simplement signe de stress, de baisse de santé mentale. Et quand ça commence à trop grésiller, il y a ce clignoteur là. Ça indique aussi un peu votre sanité, votre santé mentale. Et quand il est en plus bas, bah vous mourrez. Ok. Pour l'instant, c'est facile. Hein. Pour l'instant. Lol, on s'amuse. Oh salope. Encore. Voilà. Encore Freddy. Alors la plupart du temps passé, ce sera à regarder la lampe. Pour pas perdre de santé mentale. Ok, alors Foxy est sous mon lit là en ce moment.
Et quand il mettra son crochet de pirate ici, je vais devoir faire semblant de m'endormir. Pouette. Évidemment, comme d'habitude, je pourrais pas cut ces moments chiants, je dis rien. Parce que... mon ordi, il aime pas ça. Deuxième porte. Ok. Relève-toi. Voilà. Encore Freddy. Le gameplay est relativement simple. Putain! J'arrive pas à croire que j'ai survécu ce... Putain, mais arrêtez! Ah oui, et si je regarde les animatroniques... voilà. Vite. Putain. Quand vous voyez le clignoteur est orange, là, ça veut dire que ma santé mentale est... a beaucoup baissé, parce que Foxy m'a regardé dans les yeux. D'ailleurs, vous pouvez entendre les battements de cœur. Et tout commence à trembler aussi. Lia, s'il te plaît. Putain. Ok. Remarquez que le truc clignote maintenant en orange foncé, qui va bientôt passer au rouge. Et s'il passe au rouge foncé, je suis mort. Laisse-toi. Ouh, le vilain, on voit la lumière rouge de ses yeux. Allez. Putain. What? Non, arrêtez, stop. C'est bon, tout va bien. Vite, la lumière. J'ai tellement crevé là. Ah, j'ai tellement crevé. Les 5h du mat, mais voilà, regarde, ça clignote en rouge. Orange, rouge. Rouge, orangé. Casse-toi, s'il te plaît. Ok. Moi, je pense qu'on crêpe là, non? Allez. On peut aussi entendre que les sons sont un peu un mini écho derrière. Là, ça commence à trembler fort là. Ok, Foxy est là. Putain. Non! Vite. 6h du mat. 6h du mat. Yes! Yes! Oh putain.
Oh putain. Bon. Alors, le journal de Auguste. Auguste, c'est à août. Le 8 août 2016. 2 ans de Five Nights at Freddy's. Le créateur commémore les. Le créateur montre des screenshots de dans les coulisses et en dessous il écrit apprenez comment faire vos animatroniques. Je suis un très très mauvais traducteur, mais vous pouvez me croire que je sais parler anglais. Et ben voilà. Et ben voilà. C'était le premier épisode. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Si vous avez pas aimé, dislikez. Enfin, je sais pas, ça dépend de vous. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et si vous abonnez, clochez au passage, ce serait gentil. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos nulles à chier. Et lâchez un commentaire pour me laisser savoir de quoi vous pensez cette vidéo. Et je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Salut !